L'autre, quand je mets l'autre, j'ai une voix de Chipmunks. Ok, alors attends, on va tester. Est-ce que là, ok, j'ai une voix de Chipmunks, mais est-ce qu'il y a du délai quand je parle? Ok, c'est marrant, j'ai une voix de Mongol, mais est-ce qu'il y a du délai? Marrant, j'ai une voix de Mongol, mais est-ce qu'il y a du délai? Y a pas trop de délai. Marrant, j'ai une voix de Mongol, mais est-ce qu'il y a du délai? Y a pas trop de délai. Y a pas trop de délai comme ça. Non, mais pas trop. Non, mais pas trop. Parce que lui, il avance un peu plus. Merci mon ref. Parce que lui, il s'est pas gratté la couche. Sa mère, eux. Je comprends pas leur côté. Oh, pas l'heure. Ils préparent le otage, tu vois ce que je veux dire. Ouais, commencez à préparer les véhicules, on va se péter. Ils ont encore appelé les poyos et ça va me casser les couilles s'ils l'ont fait. Ils me suivent. Rentre au niveau de la foyer. Rentre au niveau de la foyer. Sortez, je les attire. Sortez, de suite. Vas-y, viens, sale fils de pute, vas-y, viens. Venez tous. Les portes les couilles, porte les couilles. Oh, doucement, tire pas. Allez, on y va, on se casse avant que les flics viennent. Non, c'est vraiment pas facile, hein, par contre. Ce métier-là, ah, c'est ouais. Vraiment... Parce que je suis à l'extérieur, moi. D'accord. Ok, par contre, je rentre, monsieur, en blanc, là, mais est-ce que vous me promettez que vous avez pas de fusil à pompe sur vous? De quoi? Vous me promettez que vous avez pas de fusil à pompe sur vous? Si, j'ai un fusil à pompe dans mon corps. Ok, je veux pas rentrer. Vas-y, rentrons. Ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre une petite photo. La fameuse photo. Ah là là. Mettez-vous salle d'interrogatoire là la première. Ah mais vraiment à ce point là, mais j'ai tué quelqu'un ou quoi? Vous allez vite comprendre. Il y a une plainte contre vous. Qui s'est occupé du dossier Brabus? Mais c'est terrible. J'avais des trucs à faire moi. Installez-vous. Ouais. Et voiture qui était de l'eau. D'accord. Et juste après, malheureusement, une question de timing, c'est ça qui a dû porter à confusion, c'est que le LPI a fait une attaque et l'a revendiqué sur Twitter. Moi, j'ai rien à voir avec le LPI. Je suis algérien. Je suis pas. Alors, monsieur. Vos origines. De l'eau. Quand on tire dessus, inflammable. Ouais, c'est pour ça. Non, c'est rien à voir, c'est le bombe qui a fait péter, c'est pas... Ok. Bah, je suppose, je sais pas. Moi j'ai mis de l'eau et après je suis parti. D'après les experts de la police judiciaire, c'est de l'essence qui a fait péter. Ouais, sûrement qu'il y a eu les deux en même temps. En plus, quand on met de l'eau et de l'essence, ça crame encore plus, ça fait un effet... Moi je vous conseille d'être totalement honnête, hein. Je dis pas que vous mentez, mais je vous conseille d'être honnête parce qu'il y a des caméras, il y a des témoins, c'est la seule personne qui a porté plainte parce que c'est son concessionnaire ou du moins elle travaille là-bas, mais il y a des témoins qui étaient sur place. Si le jour du jugement cette personne ramène les témoins et que vous êtes confronté à des caméras de surveillance, vous risquez d'avoir de gros Après, problèmes, au pire, si vous avez menti. Nabil, je le connais, je vais aller le voir. Bah écoute, pas de pilote, hein. Moi j'accepte. Hein. Couvrez-vous. Ouais, c'est là que Juan, frère, il aurait été là, il aurait lâché son meilleur Yes Win Bricoleur. S'il y a les flics qui viennent, de toute façon, on fait un barrage et on les braque. Y'a un temps pour rien, attendez. Couvre-toi sur Noël, dépêche-toi, s'il te plaît. Il me cache à droite, là. Devant l'unicorn. Il arrive. Bordel de bordel. Quelqu'un surveille le camion, dépêchez-vous les gars. Il y a du beau monde, hein. Il y a des bons véhicules à rafale, sa mère. C'est parfait. Si on arrive à rafale le quartier, mon pote, et à faire exploser une bagnole, meilleur drive-by. Hein. Potez-moi tous! Là, au milieu là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, tout va bien. Évitez de trop faire ça, c'est cool, merci. À droite. Okay. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi en fait? Ouais, on a rien fait. Droite. Pourquoi c'est toi, si t'as rien fait, on verra. Mais on a rien fait, qu'est-ce qu'il y a, y'a quoi?
y a une bagnole de flics. Levez les mains. Okay. Tournez-vous. Ton arme à toi aussi. On a clairement pas d'arme, donc tu peux prendre à tout le monde, mais on en a aucune. Donc... Allez, vous tournez, tournez-vous. Vous tournez. Pourquoi tu pousses? Là, je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça. Désolé. C'est quoi le problème? Quel problème? Il y a zéro problème. Il y a la poche, les véhicules. Attends, non, le véhicule, il a tourné 4 fois autour du hood, on nous a dit qu'il y a un véhicule qui tourne, et on vient voir qui c'était, c'est tout. C'est quoi le problème, les gars, tout à l'heure, vous avez fait quoi avec les balas? On a été à la raquette, à la frontière, on a cassé des TTEC tout le monde, on a gagné 6-1, on les a baisés. Pourquoi vous parlez de ce qu'on a dit pendant la supérette, à côté de votre supérette? Pourquoi vous parlez? Vous avez parlé du rendez-vous qu'on a eu avec vous? Non. Si, t'es parti voir les balas. Qui c'est qui est parti voir les balas? Qui se dénonce en janvier son On était tous à la frontière et eux ils nous ont parlé de vous. Ils ont dit quoi? Ouais, c'est tout. Ils nous ont dit vous aussi, il y a des types qui sont venus chez vous, patati patata. Celui qui a rien à faire prend les affaires et les jette-les à la poubelle, il les récupère après. Perfecto, perfecto. Y'a rien, tu peux prendre. Comprenez bien, hein. On veut pas de guerre, faites pas de guerre avec nous. Vous allez perdre. On l'a dit. On l'a dit tout à l'heure en plus. Si vous êtes avec nous, y'a pas de problème. Si vous êtes contre nous, y'a un problème. Et on sera sur votre chemin, on va vous écraser. C'est clair ou pas, Outil? Outil? C'est bon qui voyez. Ouais. Tout est bon? Ok, tranquille. Ouais, super. Ouais. Tout est gay. Retournez-vous et comptez 2 minutes avant de partir. On va vous laisser votre buffalo de merde. Ah. Comptez 2 minutes. Le premier qui se retourne et qui essaie de se péter, je le descends. 3. 4. C'est pas vrai, man. Faut qu'on se casse. 1 minute. Rappelle-toi de la première fois qu'on s'est vu. Je t'ai proposé un rendez-vous, mais t'es jamais venu. Comme les films romantiques, je t'avais... Ah! Putain! Pourquoi? Peut-être c'est... Tu stresses trop, tu... Ouais, je m'en vais là, je mets la pression. Non mais c'est même pas ça, c'est l'autre instru, c'est... Papa! L'instru, elle est bien. C'est qui? C'est Chiro! Il s'est mangé? Mais non, on n'est pas tombé! Il pense qu'il s'est niqué les corrodes. Il est où là? Il y a moyen. Oh, il est où? Attends. Je sais pas, il y a un bruit d'arma et d'un coup, je sais pas, il est. Attends, on aurait dû prendre les trois crosses, hein, ça aurait été parfait. Hein. Pas grave. Ah, il a eu un problème, ça. Aïe aïe aïe, bah sa mère, hein, pendant le coma. Non, je pense pas. Enfin, j'espère pour lui en tout cas. Il était comment, hein? J'espère vraiment pour lui que non. Il était comment, vraiment? Bon, laisse-moi juste passer un petit truc pour moi. On va voir. Là-bas, là. Non, c'est pas un guet-apens, ils sont vraiment bêtes là-dessus. Pas le tir. Bon, il veut refaire il le truc. Il va te la mettre. Je vais le coller, hein. Tu veux pas tirer? Aïe. Descendez. Lève les mains. Bon, vous êtes tous les trois les patrons. Il n'y en a pas une qui décide. Non. Vous appelez comment? On décide à trois. Addison, Massou et Lindsay. Ok. Je vais y aller français et je vais parler. Attendez, on m'appelle, je raccroche, ouais. On va faire du business avec vous. Mais vous savez, il y a plusieurs options pour venir, hein. Là, vous venez un peu, ça me... C'est rien. J'aime pas ça. Quoi, t'aimes pas ça, y'a un problème? Mais non, mais... Bah, vous voulez faire du business, vous mettez un coup de pression dès le début. Écoute, le temps, c'est de l'argent. Vous parlez pas dans une relation de confiance, vous voyez ce que je veux dire? Le temps, c'est de l'argent. Parce que tu penses qu'on est dans une situation où on peut négocier? Je parle juste, j'ai pas. Je négocie rien, je dis juste mon point. Il m'a fou. Mais c'est quoi ces bruits là? Calmez-vous, je dis juste mon point de vue. Ouais, j'écoute. On y va franco avec vous.
On veut faire du business. On veut implanter un temps de mon cul. Et de me prendre une queue. Ah, ça, c'est pas mes histoires. Hein. Bon, si on peut monter jusqu'à 25, ça me va. S'il y a moyen de moyenner jusqu'à 25 au bout d'un moment, ça peut le faire. Ouais. Bon. Ça me paraît bon. La chef de la sécurité. La personne sera forcément fouillée. Bon, par contre, j'envoie mon bureau là-bas, il fait quoi? Il surveille l'entrée. Donc, il va falloir me contacter moi pour que je le fasse rentrer par l'arrière. Il y a une porte par l'arrière? Non, mais du moins, moi je le fasse rentrer. On peut avoir un contact avec vous au moins ou pas? Du moins que moi je puisse le faire rentrer parce que c'est moi la chef de sécurité et mes videurs devront le fouiller. Du coup, ça sera mieux si c'est moi, comme ça j'ai pas le temps de le fouiller. C'est simple. Votre prochaine soirée, elle est quand? Bah, on sait pas, vu que. Dès que le DEFCON est levé. Un peu. Vous avez foutu un peu la merde en ville, du coup, on a le DEFCON et on peut pas. Un bâtiment complet. Quoi? Attends, c'est qui Denis, parle là? Derrière toi. Ah, pardon, ouais, quoi? Tiens, un bâtiment complet, pas juste l'image. Le bâtiment entier. Ouais, si tu préfères, bah, c'est la même. Oubliez pas un truc, hein. Vous prenez comme vous voulez, menace ou pas menace. Vous prévenez les flics de cette conversation. Vous appelez les keufs en soirée. Vous mais voulez nous dans baiser. Quel but? Écoute-moi dans bien, ma Julie. Ferme-la maintenant. Vraiment. Non, sois non, belle mais... et tais-toi, comme on dit. Tu non, vas non, m'écouter. Non, par contre, je te respecte le redis, un minimum. Je te le redis. Vous essayez de nous baiser où il y a un truc qui va nous couiller dans quelques semaines et qui va nous poser problème, et j'explose votre bâtiment. Il y aura zéro... y a zéro but à ce qu'on fasse ça, en fait. Alors, comme ça, on est parfait. Les bons comptes sont les bons amis. Juste la prochaine fois, évitez de mettre trop de coups de pression parce que, franchement, j'aime pas ça. Fallait bien faire ça. D'accord. Bah nickel, si on est en bon terme, tout va bien. Eh, venez, on va vous raccompagner, mesdames. Plutôt l'inverse, là, mais... Allez-y. On est galant, on vous raccompagne. Je suis seul, le toit déjà. Ils ont fait demi-tour. Faites un détour. Ils sont garés devant le parking. C'est un bureau de putain. Sa mère. Allez, on se réfugie à l'intérieur. On va retourner à l'intérieur. Tout le monde rentre à l'intérieur. Allez, mesdames. Plaisir, il va être... Quoi? Ils vont encercler le périmètre et ça va barder. Fais-le monter dans les bagnoles. Mais je prends celle-là, moi. Tout le monde monte dans les voitures, les gars. Tout le monde monte dans les voitures, on va partir avec les meufs. C'est aucune d'entre nous, vous avez bien vu, on n'a pas sorti nos téléphones. J'en ai rien à foutre. Tu vas être ma main de sortie. Prenez les véhicules de derrière, dépêchez-vous. On va monter dans les 4x4 ou on va se péter. Tout le monde prend une fille dans chaque véhicule. Monte à ma droite. Allez, vamos, dépêchez-vous. Grave. Pointe-la moi. Ils sont où les keufs? Putain de merde. Avancez. On va nous banaliser. Une voiture de pouilleuse, deux voitures de pouilleuse. Allez, avancez, tranquille. Tranquille. Continuez à avancer, roule un peu plus vite. On a des otages, messieurs dames, on a des otages. Ne vous faites pas les cons, on a des otages, je vous fais exploser la cervelle. Arrête-toi, on a des otages. Écartez-vous, tout simplement. Comment ça, accélérez pas. Allez, on roule vite, on commence. Pourquoi il y a toujours les poyos, c'est incroyable. Putain. C'est vraiment incroyable. Ça fait beaucoup, là. C'est grave. Mais comment ils ont su? On va à la plage au niveau des jet skis. Sinon c'est le moyen de fuite de toute façon. Vraiment là, j'en ai jamais tiré pas tout, j'en ai tout fumé là. On va aller au niveau des jet skis. C'est bon. Clairement pas prévu. Rien du tout. On continue à avancer alors. Tout droit, continue tout droit. Faites... Et repasse. Faites un long tour. Il n'y a plus beaucoup de coco, sa mère. J'ai pas vu. Ah, on va faire un détour encore, prépare-toi. Faire demi-tour, de suite. Ils sont cons ou quoi? Ils font quoi eux? Oh, bande de trous du cul, je suis prise en otage, bande... C'est et pas que là, côté de leur bagnole, qu'on a trois otages, hein.
Va vers le jet ski, pose-toi. Arrête-toi, on va leur dire qu'on a vraiment des otages. S'il faut tirer, on va tirer. Faites un barrage avec le véhicule. Faites un barrage. Pointez, prenez-les en otage. Chica, donne-moi ton arme. Mettez-le en ligne. Foutez-moi en ligne, cette pute. Je sais pas pourquoi encore il y a une bagnole tout le temps devant, mais on était devant. Laissez-nous partir. Vous prenez les otages. On va négocier ça. Vous avez une chance. Si vous nous tirez dessus, ça va terminer en bain de sang. Qu'on perde ou qu'on gagne, on n'a plus rien à perdre à ce rythme-là. Alors s'il vous plaît, jouez pas au con. On joue déjà pas au con, on est en DEFCON 2. On vous aurait déjà tiré dessus sinon. On vous aurait déjà tiré dessus aussi, étant donné qu'on est au courant de la situation. Commandant, je vous fais confiance. Baissez cette arme. Pas avec des terroristes, et bah si on veut pas négocier, ça va finir en bain de sang. Arrêtez vos couilles et commencez à réfléchir. Arrêtez, on a 3 otages. On va vous libérer si ou pas. On revient à vous. Gouverneur, nous négocions pas avec des terroristes. Recule. Mettez les mains en ligne. Ok, ils m'ont tiré, je sais pas pourquoi. Je sais aussi qu'ils vont tirer. Pourquoi ils ont tous des M4? Tu m'expliques, par contre? J'en ai aucune idée pourquoi ils ont des M4. Je vais vraiment faire ce qui va se passer là. C'est exactement ça. Je me suis un peu embrouillé, mais vas-y. Acceptez l'individu au milieu. Faites gaffe qu'il est pas piégé, qu'il est mis. Pourquoi les otages partent avec? Je suis en route. Abattu dans l'eau. Il y en a 2 qui sont tombés dans l'eau. Qu'on soit parti un peu plus loin avant de tirer. Je te donnerai mon top départ. Fisse-moi cette piste de pute et bats-toi. Consomme de la cocaïne si t'as pas consommé. Et pèse leur mère. Je suis coqué jusqu'à la muerte, t'inquiète pas. Allez, retire-le, viva la liberté. Viva la liberté. On prend le blanc, nous. On prend le blanc, nous. Allez, on y va, les gars. Le blanc. Vamos. Le blanc. Allez, venga. On part avec les jet ski, vamos. Tout faire péter demain sa mère, ils vont voir, c'est bon. Ah, pas maintenant. Faut s'en partir. Va là-bas. J'arrive pas à monter. Attends, il l'a couché. Ils ont tué notre hermano. Sa mère. On était plus crevés, sa mère. Allô? Si. Ça va? Non, c'est la merde. Hola! Putain de merde. Écoute, Jamie, je vais t'envoyer une position, tu viens de suite. Sinon, t'es mort. Là, ma mère me prend pas à la rigolade, toi. Okay. L'impression, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les affaires, ça fait avancer les choses, d'accord? T'inquiète pas, man. Je me suis mis de la fumée dans les bras. Rentrez-vous pas de temps maintenant, c'est pas le moment de se tuer entre nous. Ok. Ok, quand même. Mec, buvez une bière, putain. Allez, je sais pas. Regardez, vous m'avez fait chialer, ouais, vous êtes content? Je chiale. Allez, je te dis, viens avec moi. Va bien, il est le patron, et nous on 3 pas trop. À la chicha sous ballon, tu te parles de ta gamine. Tu racontes que des